on tient absolument à ce stade à maintenir le sapin, le beau sapin qui normalement trouvera sa place sur la grande place, la crèche aussi, et puis bien sûr toutes les illuminations à travers la ville, à travers ses rues et ses artères. Ce sont 142 rues et artères qui ont été identifiées à ce stade, donc dans le centre, mais pas que, hein, puisque n'oublions pas, la ville de Bruxelles, c'est aussi Nederhoven-Beek, Laeken, et bien sûr Arronnes. Donc voilà, tout ça est en train d'être examiné avec nos services pour pouvoir identifier au mieux les lieux et les manières, donc comme on le disait, d'apporter un peu de lumière, un petit peu de chaleur dans cette période difficile et d'essayer quand même que Bruxelles soit belle pour ces fêtes de fin d'année.